Hey, salut tout, j'espère que vous allez bien. On va se faire une petite règle de la nouvelle vidéo que j'ai pu croiser sur YouTube de Ego RL, et donc ça va parler de Rocket League. Et c'est le titre de la vidéo, c'est donc Rocket League est le plus dur. Le plus. Rocket League est le jeu le plus dur du monde. C'est bon, j'ai réussi. Allez, c'est parti. Ok, Rocket League, c'est une voiture qui tape dans un ballon. Et vraiment, il n'y a pas plus con que ce principe. Et je me rends compte en fait qu'un jeu qui mélange foot et voiture, c'est très beauf en fait. Mais ça a peu Oui. importe. Ce qui importe ici, c'est cette phrase. Rocket League est le jeu le plus dur du monde. Ça, c'est ce que beaucoup de joueurs de Rocket League nous disent. Et vous savez quoi? Moi, je n'ai pas l'impression de pouvoir affirmer que c'est le jeu le plus dur du monde. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que Rocket League fait très clairement partie des jeux les plus durs du monde. Et je sais qu'au moment où je prononce ces mots, certains d'entre vous sont déjà en train de vomir sur leur écran. Et d'ailleurs, je sais que certains d'entre vous ont cliqué sur cette vidéo spécifiquement pour venir vomir sur leur écran. Et je le sais parce que... Mais le truc en fait, c'est que on peut pas. Dans quoi comment qualifier des difficultés si on parle purement mécanique tout ça? Mais après on verra la vidéo, hein. J'ai juste fait une petite coupure tout ça, donc en termes mécaniques, enfin, c'est sûr, Rocket League fait partie du top quoi. Après le en fait le truc c'est qu'il faut avoir tout testé et à haut niveau quoi. Parce que il y a bas niveau tu comprends rien, tu fais rien au jeu. Après à plus haut niveau c'est pas que mécanique en fait, tu t'en rends compte au fur et à mesure que tu joues. Parce que dans mon avant-dernière vidéo, il y avait ce passage. Là, on ne joue pas à Tetris avec des objectifs clairs et des moyens d'y parvenir plus clairs encore, on joue à l'un des jeux les plus compliqués de la planète. Et que certaines personnes ont répondu avec ces messages. Et très chers spectateurs, je peux vous le dire sans rougir, soit vous n'avez jamais joué au jeu, soit vous y avez joué, vous êtes gold, et vous vous dites que de gold à platine, il faut faire les mêmes efforts que pour passer de silver à gold, et que de platine à diamant, il faut faire les mêmes efforts que pour passer de gold à platine. Aïe aïe aïe. Ok, je... Ça c'est vrai. Ça par contre, c'est vrai. C'est-à-dire que plus tu vas monter en rang, plus ça va être dur en fait de passer d'un rang à un autre. Et ça, c'est assez évident hein, quand on s'en rend compte, mais il y a moins de joueurs et du coup, faut vraiment beaucoup plus jouer. Et puis déjà, plus au niveau tout le monde joue, donc pour progresser plus vite qu'un autre. Je sais que la plupart d'entre vous ont tendance à avoir une vision altérée de la courbe de difficulté du jeu en raison du fait que, je le répète, c'est une voiture qui tape dans un ballon. Mais la vérité, c'est que l'activité importe peu. Il ne faut pas vous laisser influencer par la forme, il faut creuser un peu. Et la chance que vous avez, c'est que vous pouvez juste me regarder creuser, moi, parce que je suis là pour ça. Ok, je sais pas si vous connaissez Shroud, c'est un immense stream. Respect à toi. Américain. Pendant longtemps, c'était le plus gros streamer du monde. C'est un ancien pro sur Counter-Strike qui s'est fait Il est trop recruter chaud très le bug. récemment et très brièvement dans l'équipe Valorant de Sentinels. Ok, CSGO et Valorant, ce sont deux jeux très similaires. Valorant a d'ailleurs été créé pour ça, donc c'est normal qu'il puisse y avoir reconversion. C'est normal que Shroud ait pu être pro sur CSGO et puis ait pu se reconvertir sur Valorant. Le truc, c'est que Shroud, il est connu pour une chose, il est bon au FPS, avec l'accent sur le X. CS, Valo, Apex, PUBG, bref, il peut toucher à Ouais, n'importe c'est quoi. vrai. Shroud, il sera bon au FPS, quelle que soit la vitesse de déplacement du personnage, quelles que soient les armes utilisées. L'ambiance de jeu, sa direction artistique, si on donne un clavier et une souris à Shroud, il sera bon au FPS. Et lui, il est connu pour ça, mais vous savez quoi, Shroud, c'est pas le seul joueur à être bon au FPS. Il y a plein de joueurs de FPS qui sont bons au FPS. Et c'est parce que la vitesse de déplacement du personnage ou les armes utilisées, tout ça, au final, c'est pas si important. En tout cas, c'est pas le plus important. Ce qui est essentiel, c'est la mécanique, celle que vous emportez avec vous sur tous les FPS, celle que vous avez entraînée pendant 2000 heures sur CS ou sur Apex, et qui est directement applicable à tous les autres FPS de la planète, malgré les différences potentielles de FOV ou les reculs changeant des armes. Au final, la vérité c'est que si vous savez bien viser, vous serez bon au FPS. Voilà, la mécanique c'est ça. Si vous savez placer votre viseur sur la tête de l'ennemi, vous serez bon au FPS. Et si vous Des continuez à réflexes, vomir tout sur ça. votre écran en emmenant avec vous un FPS pour contrer mon bel argumentaire, c'est déjà trop tard. On ne peut pas juger la complexité d'un jeu sans prendre en compte tout ce qui entoure le jeu. Et là, la vérité c'est que dans l'e-sport, il n'y a pas de type de jeu plus courant que le FPS. Et pas de style de jeu où les pros d'un jeu peuvent plus migrer sur un autre jeu sans faire hausser les sourcils. Shroud, c'est pas le seul à être passé en tant que pro d'un FPS à un autre. Ils sont plein ces gars-là. De Fortnite à Apex, de Apex à Halo, et ça n'étonne personne. Et si je vous parle de FPS, c'est parce qu'en e-sport, c'est le type de jeu le plus courant, mais ce principe de transfert de compétences, il touche beaucoup de secteurs. LoL et Dota, les RTS, les jeux de combat, les auto-chess, les jeux de cartes, tout ça, ce sont des jeux qui, quand tu en as appris un, ne te permettent pas nécessairement d'immédiatement briller dans un autre, mais qui accélèrent ta progression d'une manière dont certains rêvent sur d'autres jeux. Quel jeu? En fait, je pense à un jeu. Un jeu très particulier parce qu'il est absolument seul dans sa catégorie, et s'il est seul dans sa catégorie, c'est parce que c'est vraiment l'association de deux activités qui semblent n'avoir rien à faire ensemble. Une association d'idées tellement absurde qu'un seul studio de jeux vidéo a jamais pensé à la mettre en application. Et si je ne sais pas vraiment si je dois féliciter la personne qui s'est vraiment dit que c'était une bonne idée au départ, je dois en tout cas vous dire la chose suivante, ça, c'est... unique, complètement unique. Il n'y a pas un autre jeu qui s'approche ne serait-ce qu'un peu de ce jeu, et très certainement aucun qui te permet de te préparer à ce que tu vas vivre si tu veux devenir ne serait-ce que correct à ce jeu. Ça, c'est Rocket League. Deux voitures, ou quatre ou six, sur le terrain, deux buts, un ballon. Maintenant,
Marc, est-ce que vous avez déjà lancé Rocket League? Si vous êtes là, je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir fait, mais je sais aussi que certains le découvrent. Et si pour le moment, vous n'avez pas envie de le lancer, on peut le faire ensemble. Et je peux vous montrer à quoi ressemble l'expérience d'une personne qui lance le jeu pour la première fois, quel que soit son talent ou son expérience sur d'autres jeux. Vous êtes prêts? Ok. Voilà, là on demande rien de compliqué, hein. On demande de taper dans le ballon. Et au début, je vous demande même pas de taper le ballon dans les buts, je vous demande de l'envoyer plus ou moins dans la bonne direction. Et croyez-moi ou non si vous n'avez jamais lancé le jeu, mais quand vous commencez, taper le ballon dans la bonne direction c'est déjà compliqué. Pour ceux qui ont déjà regardé un peu d'e-sport Rocket League, évidemment ça l'est moins. Moi avant de lancer le jeu, ça faisait déjà un an que je regardais des gens taper dans ce ballon, et de façon mille fois plus complexe que pour juste l'envoyer plus ou moins dans la bonne direction. Alors évidemment, c'était plus simple, et pourtant, même pour moi, c'était... bof, vraiment pas terrible. Et pire que ça, juste toucher la balle, parfois c'était déjà compliqué. Vous savez quoi, le jeu est tellement unique, tellement différent qu'il n'y a pas un autre jeu sur lequel les gens comparent à ce point leurs heures de jeu. Vous verrez, sur Twitch ou dans les commentaires des vidéos Rocket League, c'est compulsif. Ceux qui pensent apprendre plus vite que la moyenne n'ont de cesse de répéter qu'ils ont atteint tel ou tel rang en tel temps, parce qu'il est tellement impossible de transférer des compétences sur ce jeu qu'il est maintenant utilisé comme baromètre de talent. Si tu atteins tel rang en 1000 heures seulement, ça veut dire que tu es... doué. Bon, je me permets simplement une petite remarque aux obsédés des heures de jeu, évidemment que le talent joue, mais je doute qu'il joue moitié autant que la manière dont vous passez votre temps sur ce jeu. Et qu'il joue moitié autant d'ailleurs que votre désir de vous améliorer rapidement. Je connais des gens qui, dès les premières heures, ont joué au jeu avec la volonté de devenir très bon, très vite, en regardant des tutos, en prenant des coachings, en s'entourant de pros quand ils le pouvaient, et d'autres qui après 1500 heures n'avaient toujours pas lancé le jeu avec pour autre envie que de déconner avec leurs potes. Voilà, arrêtez de vous comparer au gars d'en face, parce que le gars d'en face, il n'a pas votre histoire, pas votre vie, pas vos envies. Bref. Ceci étant dit, cette observation est bien révélatrice de la nature du jeu. Rocket League est trop différent pour qu'on puisse y transférer des compétences apprises sur d'autres jeux, à part peut-être celle de la prédiction, RL s'étant autre un jeu d'anticipation. Bon, le souci c'est que s'il y a bien une difficulté dans ce jeu, elle ne se trouve pas dans la capacité d'un individu à prévoir le mouvement de la balle. Enfin, évidemment, ça c'est dur aussi, hein, mais la grosse difficulté du jeu, c'est la relation entre la balle et la voiture. Et ça... ouf. Bon, ok, si vous voulez jouer au jeu, je vous montre ce qu'il faut apprendre. Il faut apprendre à taper la balle, puis apprendre à taper la balle dans la bonne direction, puis apprendre à taper la balle vers les buts, puis apprendre à la taper à des timings différents en prenant en compte la vitesse, les rebonds, puis pourquoi pas apprendre à la porter sur son toit. Et si taper la balle est compliqué, je vous laisse imaginer à quel point la porter sur son toit l'est. C'est une succession ininterrompue de micro-ajustements. Pour amener la balle vers la gauche, il faut partir à droite. Pour ralentir, il faut d'abord accélérer pour placer la balle vers l'arrière de la voiture et la ralentir ensuite. Après ça, vous pouvez apprendre à flick la balle, à savoir utiliser vos deux sauts pour propulser la balle. Et des flics, il y en a des dizaines, des centaines, puis apprendre à voler difficilement. Et si vous pensez que voler c'est juste décoller et appuyer à droite pour aller à droite et appuyer en haut pour aller en haut, non, parce que il va falloir au bout d'un moment apprendre à air-roll, à savoir utiliser son tonneau aérien et faire tourner sa voiture en même temps. Pour aller à droite, là ma voiture tourne sur elle-même vers la gauche et j'appuie à droite, mais ça c'est seulement le temps d'une demi-rotation, parce que là regardez, ma voiture me tourne le dos, alors si je veux continuer à aller à droite, il faut que j'appuie sur le tonneau gauche et que j'appuie à gauche, et ça c'est encore une fois seulement le temps d'une demi-rotation. Et une demi-rotation, ça dure quoi? Même pas une demi-seconde. Et de base, quand je disais qu'il fallait appuyer sur tonneau gauche et droite, en fait, ce n'est jamais juste appuyer à droite, c'est appuyer à droite et en haut une fraction de seconde, et appuyer à droite et en bas une autre fraction. Ça dépend, c'est jamais vraiment pareil, en fait. Et de toute manière, vous ne devez déjà plus aller au même endroit, vous devez vous adapter. La balle a cogné contre un mur, ou un joueur arrive et vous cherchez à le contrer. Et ça, c'est bien de savoir le faire sans la balle, mais maintenant, il faut la porter avec vous, en air dribble. Et vous savez quoi? Avant même de savoir faire ça, il faut apprendre à décoller du mur avec la balle. Et rien que ça, ça peut vous prendre... C'est un peu long, le... 50 heures pour apprendre à le faire correctement. Et quand vous savez le faire, maintenant, il faut continuer avec la balle. La démonstration de difficulté. La jamais vraiment au même endroit que la dernière fois. Alors il faut réagir, s'adapter tout le temps, puis apprendre à taper la balle différemment pour aller chercher un reset sur le plafond, et puis peut-être venir en dessous pour la frapper, ou utiliser votre reset pour chercher un autre reset, ou alors musty, ou alors ça pour dire que pour l'envoyer contre le backboard et la double tap. Infinité de possibilités. Ouais, je crois que vous commencez à voir où je veux en venir. Non seulement c'est très dur, mais surtout on peut faire tout et n'importe quoi. Dans une situation, il n'y a pas une solution. Dans une situation, vous avez 1000 solutions, 1000 variations et variations de variations. Frapper la balle avec un degré de différence ou avec une fraction de seconde de retard peut tout changer à l'action. Je dis retard comme si c'était une mauvaise chose, mais la vérité c'est que ce retard n'en est pas forcément un. Parce que le joueur de Rocket League s'adapte. Voilà, il s'adapte. Il est conscient que si la balle va là, il peut la suivre, en faire quelque chose parmi 1000 solutions. Parce que en fait, c'est ce qu'il fait en permanence, voir que sa touche précédente n'est pas parfaite et s'adapter en conséquence. Ok, si je vous dis tout ça, c'est pour vous faire comprendre deux choses. La première, c'est que à ce niveau-là, on est peut-être arrivé en grand champion. Et pour ceux qui ne connaissent pas, grand champion, c'est un peu le Saint Graal pour le joueur de Rocket League, c'est le 1% de toute la player base. C'est l'élite du jeu. Sauf que pas du tout. Vous savez, les professionnels
professionnels du jeu peuvent très sérieusement utiliser le terme grand champion comme insulte sur leur live. Vous savez pourquoi? Parce que le 0,1% est immensément plus fort que le 1%. Et le 0,01% est immensément plus fort que le 0,1%. Et je vous le dis sincèrement, je ne pense pas qu'il existe ne serait-ce que 5 autres jeux sur Terre dans lesquels il y a une telle différence de niveau entre deux valeurs de pourcentage d'une player base. Ok, ça c'était la première chose. La deuxième, c'est que ce jeu n'a pas de limite. En tout cas, les pros sont très loin d'y être arrivés. Et pourtant, la moyenne d'heures de jeu, pour les pros, c'est quoi? 10 000 heures? Et ces pros, beaucoup les séparent. L'âge, la nationalité, le style de jeu. Il y a une chose qui les rassemble. Ils sont tous conscients d'être très loin du niveau qu'auront les pros dans 5 ans. Pas parce qu'ils auront de nouvelles tactiques, de nouvelles idées ou quoi. Exactement. Ils savent que mécaniquement, ils sont déjà ridicules face à ce qui viendra plus tard. Parce que tout ce dont je vous ai parlé avant, les dribbles, les flicks, les air dribbles, les ceiling reset, les flip reset, tout ça, c'était déjà pas prévu en fait. Ce qui était prévu, c'était une balle, deux buts, des voitures, ça avance et ça marque comme ça peut. Ce qui permet l'émergence de ces nouvelles techniques, c'est que Rocket League est un jeu basé sur la physique. La voiture et le ballon sont soumis à des lois, comme la gravité ou l'inertie, et puis on laisse faire. On n'est pas dans FIFA où il faut appuyer sur un bouton pour faire une passe, pas dans Smash où il faut appuyer sur un bouton pour envoyer un coup. Ici, pas de bouton pour tirer la balle, pas de bouton pour faire une passe, pas de bouton pour faire un flip reset. Tout ce qu'ont les joueurs, c'est un machin qui peut tourner dans tous les sens. Maintenant, débrouille-toi. Et vous savez quoi, les gens se débrouillent. Et ils font plus que ça. Tous les ans maintenant semblent sortir de nulle part de nouveaux petits prodiges dont personne n'avait entendu parler l'année précédente. De nouveaux surdoués passionnés qui poussent les mécaniques existantes à leur paroxysme. Et j'ai vu certains d'entre vous commenter que le jeu n'était pas compliqué justement parce que les pros se faisaient sans cesse remplacer par de nouveaux gars de 15 ans. Qui sortent de nulle part, mais la vérité c'est que c'est très littéralement l'inverse. Le jeu avance tellement vite, ses frontières sont à tel point repoussées en permanence que les cerveaux encore malléables des plus jeunes donnent à cela un avantage conséquent. Et qu'il ne suffit pas ici de faire preuve de rigueur et de professionnalisme pour rester au sommet pendant 10 ans. Et ces jeunes gars de 15 ans, ils vont eux aussi inévitablement se faire remplacer petit à petit parce que derrière eux, pour le moment gold ou platine ou diamant, jouent déjà d'autres petits prodiges pour qui il est parfaitement normal d'entraîner ces mécaniques pendant des dizaines et des centaines d'heures en freeplay ou en map workshop parce que s'entraîner sur RL ça fait partie de la culture du jeu. On trouve des centaines de milliers de joueurs qui n'ont pourtant pas la moindre envie de devenir pro, qui trouvent parfaitement normal de s'entraîner 20 heures à bien décoller une balle d'un mur. Et ces vagues de prodiges qui arrivent les unes après les autres vont continuer à repousser les frontières de ce jeu. Ce qui fait que la différence entre le pro d'aujourd'hui et le pro de dans 5 ans ne sera pas l'équivalent de juste un peu mieux viser, ou d'aller juste un peu plus vite. La différence c'est que le jeu n'aura déjà plus l'air de la même chose. Ce qui fait la différence c'est que même un surdoué qui a passé 10 000 heures sur le jeu ne va pas avoir besoin de juste s'entraîner pour rester au sommet. Il va avoir besoin d'apprendre en permanence, sans qu'une seule ligne de code n'ait été modifiée. Voilà ce qui fait la beauté du jeu, et voilà ce qui fait de Rocket League, sans le moindre doute, l'un des jeux les plus durs du monde. Pour ceux qui justement découvrent le jeu et qui voudraient s'intéresser d'un peu plus près à tout ce qui fait sa difficulté, en suivant par exemple l'eSport Rocket League, attendez, on devrait pouvoir trouver ce qu'il nous faut sur YouTube. Ok, bon, pourquoi pas. N'hésitez pas à vous abonner déjà sur TikTok, parce que là-bas aussi je speedrun les 5000 abonnés, et surtout ici sur YouTube. Si je mettrai le lien dans la description. En attendant, moi je vous fais des bisous, et on se retrouve très bientôt. Tchuss. Je trouvais ça vraiment intéressant. De ce qu'il dit, mais en fait, c'est surtout que le jeu, c'est plus dur, tu vois, parce que actuellement, il n'y a pas encore de limite, tu vois. C'est genre, ça va tellement encore devenir meilleur qu'en fait, on pouvait même pas croire, on sait même pas à quel point ça va être dur et à quel point à quel moment ça va s'arrêter, en fait. Et ça, c'est beau, ça. C'est vraiment pas mal. Merci. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et j'en ferai sûrement d'autres, donc je sais pas si c'est vraiment que des vidéos comme ça que je trouve, que je croise et que ça m'intéresse et je me dis tiens pourquoi pas partager et voir ce que les gens disent un peu en convertant tout ça. Donc moi mon avis c'est que c'est vraiment un jeu assez compliqué, assez unique, comme il disait, c'était vraiment sur ce point là qu'il a tapé, hein, il a tapé dedans, en plein dedans, et le fait que en fait que les mécaniques et la difficulté du jeu, en fait, c'est les gens qui le décident, qui le poussent, qui le repoussent, et il y a toujours pas de limite, et on voit pas où est-ce que ça va s'arrêter, en fait, parce que je pense qu'il y a encore des trucs qui vont être inventés. Bon, techniquement, est-ce qu'on peut inventer autre chose? On sait pas, comme le flip reset avant, on savait pas qu'on allait l'inventer, et du coup, ça rend le truc vraiment intéressant, et comparé aux autres jeux, par exemple, au FPS, où à part viser plus vite, que tirer plus vite, on peut pas faire grand-chose de plus, alors que sur Rocket League, tu peux construire des trucs monstrueux. Tout ça pour dire que, en vrai, je suis de son avis, en fait. Voilà. Comme, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner, les gars. On est bientôt 6000 sur TikTok. Gros respect. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.